j'ai une idée. Là, la méthode l'arrête. Mais si... mon cher Trump, où êtes-vous? Me voilà. Je suis là. Qui m'appelle? Qui m'attend? Qui a nécessité de se faire véhiculer? C'est moi, mon cher Trump. Il faut que j'aille d'urgence chez Zébulon. Bonjour, cher Pollux. Bonjour, mon cher petit train. Allons vite. C'est fini, ce gros rhume. Je m'essouffle encore un peu. Allons vite. En voiture. Fermez les portières. Attention au départ. Serge Dadneau, Pollux rentre dans l'histoire du cinéma. Ah bien sûr, absolument, oui. Avec un long métrage que vous avez commencé depuis combien de temps? Eh bien, il est commencé depuis 2 ans, exactement. Ça représente beaucoup de travail. Combien de personnes y travaillent? 30 personnes pour le moment. Et donc, le temps que vous y avez mis jusqu'ici? C'est-à-dire 2 ans de préparation et 10 mois de tournage absolu. Tous les jours, on tournait certaines journées 5 à 6 secondes, les bonnes journées 30, 40 secondes, ça dépend. Beaucoup de décors aussi. Énormément de décors, plusieurs camions. Et la musique? La musique aussi était faite, je crois, d'une façon assez sensationnelle, puisque nous n'avons pas lésiné sur la musique. Nous avons pris 100 musiciens pour orchestrer cette musique, et Jos Baseli, qui est le grand chef d'orchestre de cette formation. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que c'est une entreprise régionale. Absolument, oui, absolument, puisque, mon Dieu, tout a été fait ici, que, autant sur le plan scénario, décor, interprète. Les interprètes sont tous des Nantais très connus, tels que Christian Riel, Jocelyn a fait les dialogues, qu'est-ce que nous avons encore, Tardieu, etc. Il ne faut pas effleurer le sujet, mais est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée du thème, très rapide? Ah, mais bien sûr, c'est tout simplement Pollux qui a un nouvel ennemi qui est le chat bleu. Un chat bleu qui veut être le maître d'un pays bleu. Et lui s'aperçoit que c'est un chat qui n'est pas très 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 gentil. Voilà, alors c'est Pollux et le chat bleu. Et le chat bleu, tout simplement. Et à quand le rendez-vous sur le grand écran? Eh bien, pour Noël. Pour les fêtes de Noël. Pour les fêtes de Noël. C'est un très beau cadeau de fin d'année. Oui, bien sûr. On reprend. Tiers du quart de la moitié de ce prêt. C'est une bien jolie vache. Oh, ah, dites donc, vous. Vous n'êtes pas un rapide. Je suis un express ordinaire. Je fais ce que je peux.